Сердце
Он по
Остановила.
Si ce n'était pas son amour, nous ne serions pas ici. Et son amour a préparé ce chemin. Et nous avons cette promesse. Nous avons ce salut. Je vous salue. Et je m'appelle Vitalik. Et peu parmi vous me connaissent. Et je me présente. Je suis de l'église de Mélitopol. Et Mélitopol, c'est une ville au sud de l'Ukraine. Un petit groupe de 20-25 personnes. Je vous transmets les salutations de notre assemblée. Et vous le recevez avec amour. Je vous transmets aussi les salutations de Brat Antolia à Ulyanos. Et je veux témoigner un peu comment je suis arrivé ici. Je ne vais pas vous retenir debout. Et prenons dans Actes, dans Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous n'avez pas vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Et si vous êtes son fils, rien et tout ce qui lui appartient ne peut être perdu. La volonté de celui qui m'a envoyé et c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. Et vous comprenez, voir le Fils. Les gens voient Jésus-Christ 2000 ans passés. Et le problème n'est pas de cette personne qui a vécu 2000 ans passés, mais celui-là qui est d'aujourd'hui, et celui qui se manifeste, et le voit dans la chair. Amen. Et où le voyez-vous? Et vous le voyez en moi et je le vois en vous. Gloire à Dieu. Et celui qui croit au Fils, celui qui voit le Fils et croit en lui. Encore une autre écriture. Dans Éphésiens 1. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et nous pouvons lire ces passages, mais ce n'est que toi qui peux donner le contexte. Et donne maintenant ce que tu as placé en moi, dans mon cœur, et cet esprit qui se trouve dans ton peuple, et que cela puisse nous rendre forts. Et Seigneur, nous le demandons cette grâce au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Je vous parle un peu comment je suis arrivé ici. Et avant d'entrer dans mon thème, une famille à côté de là où je vis là-bas, et avec les événements qui se passent chez nous, et la ligne de séparation, et avec le travail, c'est difficile. Et ils m'ont demandé de les aider. Ils préparaient les passeports internationaux afin que je puisse parler. Et comment ils voulaient aller en Turquie. Et personne ne les attend là-bas. Et quand ils m'ont parlé, et une sœur de cette femme, et va l'aider. Et elle impose un peu. Et vous arrivez dans un pays étranger, là-bas en Turquie. Et personne ne va vous aider, personne ne vous tendra la main. Et ils voulaient que je les emmène jusqu'en Turquie. Et c'est un peu loin. Et toute cette histoire. Et ils sont arrivés à un moment. Et ils voulaient aller un peu par-ci, par-là. Ils ont dit, maintenant, on a changé le plan et amène-nous là-bas à Ulyanovsk. Et je ne voulais pas venir ici. Et je n'avais pas cela en pensée. Et je voulais juste conduire ces gens là-bas à Ulyanovsk. Et j'ai appelé le frère Anatole. J'ai eu la possibilité de venir. Et j'étais chez lui là-bas au moins 8 jours. Et ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Alors que les frontières sont fermées et tout. Et nous nous sommes réjouis avec les frères là-bas dans son église et sont devenus des amis. Et j'ai parlé avec lui et j'ai commencé à parler avec le frère Pavel. Et viens à Kazan. Et c'était quelque chose où je ne m'attendais pas que je vienne à Kazan. Et quand je venais ici, il devait d'abord aller chez le médecin. Et ça, c'est mes deux filles. Et voulaient avoir un peu des vacances.
напрашивались в учебном заведении, я знаю, что Лили даже сейчас прогулы не поставят, Энки. Вот, ей просто там присылают задания, она там пишет курсовые. Elle écrit le cours ça va. Faut écrire comme un rapport. Et même dans ce plan, если несколько прогулов там вплоть до, до этого отчисления исключения. Et si tu, tu manques beaucoup de cours là où elle étudie, ils vont renvoyer. Чем могу я вам послужу? Combien, comment je peux vous servir et élever votre foi? Верю я у друзей. Аминь. Et la foi des amis. Я знаю, что тот дух, который в нас, он обязательно, ну, просто мы чувствуем друг друга. Я брата Эльгизара давно знаю, правда. Et le frère Эльгизар, je le connais depuis longtemps. Настолько, правда, я благодарен его семье. Et je suis reconnaissant pour sa famille. Знаете, там полный комфорт. Просто все, все условия. Et toutes les conditions. Я думаю, что Господь послал самого лучшего ангела. Et Dieu avait envoyé le meilleur ange pour créer ces conditions. Les frères. Et ça fait aussi beaucoup de fois et venez là-bas à Litvé. Priez, se préparez. Et que Dieu vous bénisse. Et je veux tout simplement partager certaines choses. Et comme je pouvais le dire, et amener certaines pensées, quand Dieu commence son travail avec vous, il va mener cela à la fin. Et lire un peu certaines, et pour élever tout simplement votre foi, et nous tous, nous commettons des erreurs, nous tombons. Le diable, il vient toujours, il cherche toujours quelque chose à faire afin que nous puissions perdre cette foi et afin que nous puissions élever la foi. Et parfois, nous nous décourageons. Dieu est, Dieu existe. Mais le but du diable, c'est de vous emmener hors de la volonté de Dieu ou de la présence de Dieu. Dieu, dans son Fils, amènera toujours son travail jusqu'à la fin. Dans Genèse 10, Dieu, je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui, cela était déjà passé à longtemps. Amen. Tous ces événements qui se passent, tous ces événements étaient déjà passés. Amen. Je vais vous dire que ce n'est pas important les difficultés et que c'est difficile. Tous ces événements, et c'était pour un, afin que tous ces événements sont que pour la parole puisse s'accomplir. Et parfois, les gens pensent, nous pouvons penser que non, quelque chose n'a pas bien marché avec Dieu. Dieu a tout sous son contrôle. Et Dieu connaît tout. Il conduit tout. Et ce qui concerne ce monde, et bien cela concerne votre vie personnelle. Absolument. Quel que soit ce qui peut se passer, c'est pour vous aider afin que vous puissiez prendre votre position. Nous sommes venus pour glorifier Christ. Et Christ, aujourd'hui sur la terre, le fils de Cham, Cush, Minjir, Fut et Canaan, les fils de Cush, Saba, Avil, Sabata, Réama et Septica, les fils. Et Cush engendra aussi Nimrod.
et il commença à être puissant sur la terre. Et quand le frère Branham a pris cette écriture, il montre cette écriture, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Tout et ça, lui qui commençait à être puissant sur la terre. Et Cush était cette personne. Et il s'est montré qu'il était puissant. Comment il prendrait les principes et avec les armes afin de prendre sous son contrôle toutes les villes qui étaient tout proches de lui. Il était fort. Et les Écritures disent qu'il avait conquis. Et pourquoi la Bible montre toutes ces choses? Et quand ces principes sont révélés, alors que celui, nous voyons qu'il y avait un certain esprit, et le même esprit qui était sur Nimrod, c'était de prendre sous contrôle tout ces sous par la guerre et d'imposer tout le peuple de l'adorer et cette religion et afin que tout le monde puisse adorer l'homme. Et nous voyons que Nimrod est mort, mais l'esprit est resté. Et le même esprit au travers des esprits de la guerre, de tous ces événements, afin de prendre tout sous son contrôle, toutes les républiques. Pourquoi tout cela? Les gens meurent, mais l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Il était puissant devant Dieu. Devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad, Khan, au pays de Sinéa. Alléluia. Et prenons le verset 11. Et ces républiques, ces villes, étaient sous son autorité. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Mais comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et y habitaient. Et ils ont commencé à construire des villes. Et la ville qu'ils ont commencé à construire, c'était Babylone. Et ils se disent l'un à l'autre, allons faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, et faisons-nous un nom. Et ils ont commencé à se glorifier lui-même avec leurs âmes, avec leur culture. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Hier avec le frère Ilgiza, et elle s'appelle un peu comme une église chrétienne. Et que tout le monde doit se repentir devant ces gens et devant eux. Et nous ne soutenons pas ce qu'ils font, mais nous devons nous excuser devant eux. Et on doit donc s'excuser. Ils ont commencé à conduire. Ils n'élèvent pas Dieu. Et ils ont commencé à élever eux-mêmes et les gens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose. La même chose se passe aujourd'hui. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour rassembler toutes les républiques sous le contrôle.
Et tout ça, c'est Lucifer qui conduit afin que les Écritures puissent s'accomplir. Dieu conduit tout, mais c'est pour que sa parole soit manifestée. Amen. Et rien ne sort sous son contrôle. Et tout est sous la paume de sa main. Tout s'accomplit en son temps, dans notre vie. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et ils ont commencé à faire dominer cela sur toute la terre. L'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et j'aime cela. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est à ce qu'ils ont entrepris maintenant, rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils veulent, allant descendant et confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Quand Frère Branham regarde et la quatrième puissance qui était, et une partie c'était le fer, l'autre partie c'était l'argile, tout cela était détruit, dispersé. Vous trouverez cela dans la prédication du prophète. Et pourquoi partout c'est l'incrédulité, le système catholique? Et il contrôle. L'Amérique, la Russie. Vous vous souvenez? Et ces villes ne peuvent pas, et ne peuvent pas s'unir, être ensemble, quel que soit ce qu'ils peuvent faire. Et ils peuvent s'unir par des semences, voulant être ensemble. Et ils ont ouvert les frontières. Ils ont commencé ce mélange. Mais rien ne marche, parce que Dieu avait déjà conçu ainsi. Ils ne peuvent pas comprendre les uns des autres. Ils ne peuvent pas parler le même langue. Et l'autre a sa politique, son système. Alléluia. Et nous voyons qu'aujourd'hui, c'est la même chose aujourd'hui. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans la Bible, nous voyons la même chose. Nous voyons les épidémies. Et nous voyons ces événements. Nous voyons ce mélange. Amen. Et au moment de ce mélange, et le grand secret se révèle. Et quand ces événements, tous ces événements se passent, chercher la même langue, Dieu révèle le secret. Le verset 10. Voici la postérité de Sem. Amen. Et au milieu de tout ce chaos, et au milieu de tout ce désordre, Dieu commence à écrire la descendance de Sem. Quand vous lisez la Bible, quand on écrit la lignée, et ça se passe, la restauration se passe. Quand Dieu conduit Israël, et quand Israël
a pris sa position, on parle de... Et quand tu reconnaissais ton nom, tu recevais ta portion. Et au milieu de tout ce mélange, de ce Babylone, au milieu de ce chaos, Dieu révèle ou ouvre la lignée de Sem qui est apparaît, c'est Abraham. Au milieu de tout ce chaos, Dieu est descendu. Dieu est descendu et révélé la position. Et il a révélé les sceaux. Il a commencé à montrer vous et moi. Et il a commencé à nous montrer notre lignée. Et au milieu de tout ce chaos, amen. Oh mon Dieu, gloire à toi. Et rien ne change. Et on peut regarder à tous ces événements. Et au milieu de tout ce tremblement, Dieu amène son travail. Il conduit son fils et sa fille. Et quand vous verrez tous ces événements, il dit, comment répondez-vous? Et dit, c'est glorifier Dieu. Et dit, glorifier Dieu. Parce que le temps de votre rédemption est proche. Amen. Le verset 10, au milieu de ce chaos, Dieu est descendu. Il y a eu le mélange. Il a commencé à conduire ses fils et ses filles. Alléluia. Le verset 12, l'Éternel a dit à Abram, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. C'est une bonne histoire d'Abraham. Et Abraham avait eu la chance. Dieu est venu. Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le même Dieu. Et si Dieu avait agi d'une certaine façon pour la première fois, la prochaine fois, il agira de la même façon. Et qui est sorti du monde ou des dénominations lui-même. Et ici, ceux qui sont ici, et je comprends, si tu es fils ou fille, c'est Dieu qui est venu à toi. C'est lui qui t'a fait sortir. C'est lui qui t'a appelé. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et vous avez répondu. Abraham. Et je veux que nous puissions confirmer et non pas regarder à nos manquements, à nos faiblesses. Si Dieu vous a appelé, il va accomplir exact et obligatoirement le plan de la rédemption dans votre vie. Et David n'avait pas fait quelque chose de mal devant Dieu. Et celui qui était à l'image de Dieu, c'était Joseph. Et il a trompé Pharaon. Nous sommes des hommes et nous commettons des erreurs. Non pas regarder à nos erreurs. Si tu tombes, et il y aura une vraie repentance. Et afin de se relever, de marcher avec Dieu. Alléluia. Et nous lisons cela. Si vous avez dans votre cœur ce désir, ces pensées, vous prendrez certainement votre position. Et le pays que je te montrerai, Abraham a répondu oui et parti pour ce pays qu'il n'avait jamais vu.
Et avec nous, ce n'est pas ainsi. Le message est venu. Et Dieu, vous suivez un homme. Ce n'est pas seulement un prophète, mais nous suivons la voix de Dieu qui est la... Le livre a été révélé, vous avez vu votre nom et Dieu vous a appelé. Alléluia. Et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Et Dieu bénit aussi physiquement pour un but. Et Dieu, je multiplierai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Nous pouvons ne pas penser ainsi à nous-mêmes et que Dieu avait déjà promis qu'il va nous bénir. Et c'était déjà ses pensées. Et si c'était déjà ses pensées, rien ne peut empêcher ce plan. Absolument. Quel que soit que Satan puisse venir, et il va faire tout ce qu'il veut. Et je vous dis de ne pas regarder à ce que Satan vous dit, mais regardez ce que Dieu a dit de vous. Amen. Et vous savez, la prédestination, c'est la plus grande révélation. Les amis, quand Dieu vient à son fils, qu'est-ce qu'il fait? Et il montre à l'enfant son héritage, comme il l'a fait à Abraham. La même chose. Et la situation avec Gédéon. L'ange vient à lui. Et dit l'homme fort. Et il se cachait. Et il voyait que tout autour de lui, c'était la fin. Et Dieu a commencé à lui révéler son secret pour lui, afin de le confirmer, afin de le rendre fort. Et Dieu, ne regardez pas ce que vous avez fait, mais regardez à ce que Christ a fait de vous. Et jusqu'à ce que vous allez vous regarder à vous-même, et vous allez continuer à tomber. Mais si vous regardez à lui, il avait déjà accompli la victoire. Amen. Et si vous, par la foi seulement, vous recevez cela, l'Esprit de Dieu viendra vous élever. Et que non, je dois... Non, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que lui, il fait. Amen. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham, qui n'avait rien, qui n'avait pas de descendants. Et voilà comment au milieu des gens, il avait une telle importance. Et Dieu l'avait emmené à un certain niveau où aucun démon ne peut vous séparer ou ne peut vous faire du mal. Et quand je me regarde, je vais tomber. Mais si je regarde que c'est lui, alors je serai plus grand que toutes les tentations ou les difficultés. Vous aimez cela? Et vous et moi, nous avons le même esprit. Alléluia.
là où Abraham parti avec sa et ils ont fait sortir Abraham. Et le ramener à une seule personne. Et de toute cette ville, au milieu des gens qui glorifiaient Dieu. Il y avait peut-être certainement des gens meilleurs qu'Abraham. Et ceux-là qui étaient capables. Et Frère Branham a dit qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous. Personne. Et Gizar a levé la main. Alléluia. Aucun de nous. Et il y a des gens qui sont plus dignes que nous. Dieu avait fait trouver grâce à Abraham. Je veux que vous puissiez remarquer ceci. Je voudrais que vous remarquiez ceci. Ce n'était pas parce qu'Abraham était un homme bon. C'était que Dieu avait élu et choisi Abraham. Ce n'était pas Abraham qui a choisi Dieu, mais Dieu qui avait choisi Abraham. Et ce n'est pas vous qui avez choisi et qui avez choisi Dieu, mais c'est Dieu qui vous a choisi, vous et moi. Et si Dieu vous a choisi, et je ne crois pas qu'il m'a fait sortir pour me prendre après et me jeter encore. Si Dieu commence son travail, il amènera cela à la fin. Alors, soyez confiants en Dieu, ayez confiance en Dieu. Alléluia. Et vous voyez cela. Et comme ce qui était, c'est la même chose qui sera aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez, qui choisissez Dieu, mais c'est Dieu qui vous choisit. Oh. Nous ne sommes pas dignes. Et par la naissance, nous sommes des mauvaises personnes. Mais Dieu, il nous avait choisis. Et vous savez qu'est-ce que c'est l'adoption? Et c'est la position des fils et filles de Dieu. Aucune église n'était digne. Mais il nous parle de la pleine rédemption ou la pleine rédemption. Dieu a trouvé en nous des fils et des filles. Je veux mettre un peu l'accent parce que c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Vous n'êtes pas devenus des chrétiens juste au hasard. Mais vous étiez déjà des chrétiens avant d'apparaître sur cette terre. Ce n'est que Dieu qui peut révéler cela. Ce n'est que le prophète qui peut regarder ou lire les pensées de Dieu. Vous avez été déjà des chrétiens dès avant la fondation du monde. Avant votre naissance, Dieu vous avait choisi. Dieu vous avait choisi d'être des chrétiens. Et si nous sommes prédestinés de manifester sa vie, de manifester ses pensées, et qu'est-ce que c'est les pensées de Dieu? Si Dieu avait pensé à moi, si j'étais dans ses pensées, mes amis, alors cela va s'accomplir. Alors je ne me regarde pas ainsi. C'est lui. Dieu est venu et Dieu a commencé à lui révéler son secret. Et quand nous commençons à regarder ses pensées pour nous, nous verrons. Et ce n'est pas que non, vous vivez dans le péché et vous dites que non, je suis chrétien.
Et si Dieu vous appelle, vous ferez tout pour le plaire. Et tu désires cela. Amen. Et il dit, ne regardez pas cela. Et dit, levez-vous. Parce que le vrai soldat, c'est le vrai chrétien, ce n'est pas celui-là qui tombe, mais c'est celui-là qui est tombé et qui se relève pour occuper sa position. Alléluia. La parole de Dieu ne passe jamais. Si Dieu avait déjà pensé, libérer le peuple, il va accomplir. Si Dieu avait pensé que David devait être roi pour délivrer Israël, et Dieu va accomplir cela parce qu'il est Dieu. Tous accomplissent la volonté de Dieu dans la mesure qu'il leur a donnée. Et nous sommes venus aujourd'hui pour accomplir ses pensées. Alors, si c'était ses pensées, alors qui peut arrêter? Oh, mon Seigneur. Avant votre naissance, Dieu vous a choisi à être ses enfants. C'est la vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité? Et la vérité, c'est la pleine révélation. C'est le plan de Christ qui est la pensée dès avant la fondation du monde. Et cela peut être dit, mais je veux que vous puissiez prêter attention ici, après le choix ou l'élection. Si Dieu nous a conduits, s'il nous a appelés, et qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Il va faire la séparation, oh mon Dieu. Amen. Et pour accomplir son plan. Et pas que non, moi, je me sépare. Il commence à travailler avec toi. Et comme Dieu a appelé Abraham, il a appelé aussi, il est sorti avec Lot. Et nous aussi, nous avons pris aussi notre Lot. Et moi aussi, j'avais amené. Et le prophète dit, jusqu'à ce que Lot était avec Abraham, Dieu ne pouvait pas le bénir. Amen. Et Abraham pensait que non, moi, je laisse tomber et je repars. Parce que les Écritures disent, et 25 ans, il a attendu la promesse et à chaque fois Dieu parlait. Dieu ne parlait pas avec lui tout le temps, mais il y a eu aussi peut-être des moments où des années qu'il n'avait pas parlé, mais la foi d'Abraham n'avait pas changé. Sans regarder au nombre d'années, et sa foi devenait tout simplement forte. Alors il a vu que Lot était avec lui. Je t'avais dit. Et pourquoi tu es parti avec Lot? Dieu avait agi ainsi? Non. Les difficultés. Et les bergers ont commencé à se discuter. Voilà pourquoi je vous dis, les amis, si Dieu a commencé son travail avec vous, Dieu emmènera cela jusqu'à la fin.
Et quel était la même chose, la même nature? Et il veut toujours que ça soit, tout va bien. Et pourquoi il était parti là-bas? Parce qu'il y avait la possibilité de devenir riche ou de bien vivre. Et je vous dis, les amis, ayez confiance en Dieu, il sait comment faire pour que l'autre puisse se séparer de vous, afin qu'Abraham puisse engendrer la grande nation et dire, je vais faire sortir ce peuple ou cette nation au travers de toi. Si Dieu avait dit la parole et il a encore pensé, s'il avait déjà prononcé, il accomplira. Amen. Si nous regardons nos capacités, ce corps n'est pas capable de manifester la parole parce que la promesse, les amis, se manifeste par la tribu intérieure, la sémence. Dieu ne fait pas alliance avec la chair, mais il fait l'alliance avec sa sémence. Et il fait alliance avec cela parce qu'il est avec le corps, nous ne pouvons rien vaincre. Et qui avait séparé? Dieu avait séparé. La séparation avec tout le reste. Dieu a conduit. Il sépare. Il te sépare avec tout. Et crois la promesse et reste là et apporte cela à Dieu et rends-lui gloire. Et sous base de ta confession, Dieu va accomplir la séparation. Nous ne sommes pas venus afin de couvrir nos péchés. Et si je t'ai fait sortir, je séparerai de toi tout ce qui n'est pas en accord avec la parole. Et il va te séparer de tout ce qui s'accroche à toi. Cela prouve que ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas deux ou trois personnes ensemble. Il conduit individuellement. Alléluia. Et quelle était la différence entre Abraham et le reste du peuple? La seule différence, c'était la foi, mais ce n'était pas sa foi. Dieu avait placé en lui sa sémence. Dieu avait placé sa sémence et il devait tout simplement croire. Parce que cette personne, et il peut croire, après il peut ne plus croire. Et non, je ne te crois plus. Après, l'homme extérieur. Et quand les Écritures s'accomplissent, et de croire. Alléluia. Et il a conduit cela individuellement avec chaque personne. Et ce n'est pas sous base de que je suis sauvé. Parce que Dieu n'a pas besoin d'une telle sainteté. Mais pas ta sainteté, mais sa sainteté à lui. Pas ma sainteté, mais sa sainteté est vraie. Et pourquoi vous êtes saints, les amis?
parce que lui, il est saint. Amen. Si vous recevez sa sainteté, Dieu fait de nous des saints. Quand son esprit commence à manifester en vous, et quand tu manifestes ta sainteté à toi, Dieu n'en a pas besoin. Quand je commence à montrer ma sainteté, et je commence à faire des... Et pourquoi tu te glorifies? Pourquoi? Parce que les gens qui ont accompli, ils sont arrivés à quelque chose d'eux-mêmes. Mais quand ils reconnaissent que cela n'est pas pour eux, mais ça vient de Dieu, alors tu comprends qu'il n'y a rien à se glorifier. C'est lui qui a fait de nous ainsi. Alors pourquoi se glorifier? Alors, je vais me tenir à la brèche pour le frère, pour la sœur. Seigneur, bénis. Et vous savez que c'est notre position aujourd'hui, se tenir les uns pour les autres. Et si ton frère vient pour demander le pain, et au milieu de la nuit, tu pars toquer ton ami. Au milieu de la nuit. Et tu commences à toquer à la porte. Et l'autre demande, non, qu'est-ce que tu cherches? J'ai besoin du pain. Et Jésus dit, et il dit, même si ce n'est pas par l'amitié, il va se réveiller pour vous donner le pain, mais à la place de l'ami, la même chose. Si vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu ne vous donnera pas le serpent ou une pierre. C'est notre position. Et se tenir les uns à la brèche pour les amis, pour celui-là qui est tombé. Pas encore le frapper encore ou l'enfoncer, mais c'est pour élever sa foi. Et si Dieu a promis, il va accomplir ce qu'il a promis. Et alors tu crois qu'on peut boire? Ou, non, je n'ai pas dit cela. Écoutez, un grain de blé ne peut produire que du blé. Il ne peut produire des gratterons. Il n'y a pas de désir en lui. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas le désir, il n'y a pas de vie en lui pour produire des gratterons. Et si nous sommes en Christ Jésus, nous ne laissez pas vous séduire. Vous voyez mieux de bien sonder ceci maintenant. Voyez-vous, si vous continuez à dire, eh bien, je sens qu'une condamnation en faisant ceci, je sens pas une condamnation en faisant cela, les choses du monde. Maintenant, je vais choquer un petit peu, vous caresser, vous rebrousse poil, mais ceci est l'évidence même que vous n'avez jamais été à Christ. Vous n'êtes jamais né de nouveau. D'autres sont des... Et le prophète dit, nous recevons tout cela de Dieu par la foi. Dieu veut voir la foi en nous. Celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. Et maintenant, si vous cessez de faire cela parce que vous savez que vous devez faire cesser cela, c'est le signe que vous n'êtes pas encore nulle part. Lorsque cette chose meurt en vous et que sa nature est partie, il y a une autre personne là-dedans et elle ne peut produire que...
Et quand tout cela meurt en vous, et quand cette nature meurt, il y a une autre personne là-dedans. Et le Saint-Esprit qui était en Christ produit en vous une vie comme celle de Christ. Ce n'est pas que vous faites, qui importe ce que lui a fait. Il a choisi cela avant la fondation du monde. Amen. Et vous voyez le tableau. C'est merveilleux, les amis. On peut se reposer, avoir confiance en Dieu et rester tranquille. Si Dieu a commencé son travail avec vous, il amènera cela jusqu'à la fin. Et ce qu'il avait prédestiné, ce n'est pas vos capacités, pas vos œuvres ou ce que vous avez fait, mais sa force, sa grâce et sa miséricorde. Quelqu'un dira, je suis sauvé parce que j'ai cessé de fumer. Tu es sauvé parce que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Et voilà l'enseignement de l'Écriture. Maintenant, voyez, commençons à découvrir que ce n'est pas nous, mais c'est lui. Voyez-vous, il vous a choisi, il nous a choisi. Abraham, il l'a choisi. Abraham ne pouvait pas dire, « Eh bien, Dieu soit béni, je suis descendu de la tour de Babylone, alléluia. » C'est à cause de cela. Dieu a prédestiné et appelé Abraham avec sa semence avec lui, avec sa semence, pas la semence charnelle, mais la semence foi. Pas parce qu'il était ainsi, mais parce que Dieu était ainsi. Et dire que je te sauve, et tu viens à moi. Il n'avait pas encore fait quelque chose. Et dire, oui, je suis fatigué. Et ce n'est pas important combien d'années vous avez. Dieu peut travailler avec vous comme vous êtes. Mais Dieu l'avait déjà choisi. Pas seulement toi, mais même ta semence après toi. Alléluia. Vous êtes fatigué? Je lis un peu beaucoup. Excusez. Dieu riche en miséricorde. Le 1955. Nous sommes une partie de Dieu. Nous avons toujours été une partie de lui. Vous vous souvenez de ça? Parce que vous étiez seulement une attribut. Vous savez qu'est-ce que c'est l'attribut? Le gène. Et en Dieu sous la forme de pensée, le gène. Si nous étions en Dieu sous la forme du gène, et Dieu prononce cette pensée, et Caïn n'était pas la pensée de Dieu, il était hybride. Voilà pourquoi il est tombé. Oh, les amis, ici le prophète montre, et si votre nom était dans le livre de vie, dès avant la fondation du monde, Dieu savait que vous êtes ainsi, qui vous êtes. Et dit, écoutez, je vous dis, ce n'est pas pour embrouiller votre doctrine, mais simplement pour redresser la chose, afin que nous puissions nous débarrasser de cette crainte, de cette peur.
Vous savez, quand tu vois la prédestination, l'ami, cela ne veut pas dire que non, tu dois te glorifier, mais enlever juste la crainte et la peur. Et c'est à ce niveau que Gédéon était arrivé. Et il te révèle ses pensées pour que la peur te quitte, afin que tu puisses avoir confiance en Dieu et savoir qui vous êtes. Mais maintenant, vous êtes des fils de Dieu. Et vous ne devenez pas fils parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous êtes des fils et il va vous envoyer la parole, l'Esprit. Vous avez toujours été des fils de Dieu. Ouais. Et au commencement, vous avez été dans la pensée de Dieu. Vous avez dû être une partie de vous, a dû être la vie qui est en vous maintenant, devait être avec Dieu avant là-bas. Eh bien, quand vous, en dehors de Dieu, il savait et il savait comment serait la couleur de vos cheveux et vous savez tout à votre sujet. La seule chose se passait, c'est que vous étiez pécheur. Mais quand quelque temps, alors que vous étiez de la partie parole, et quand vous avez écouté la parole, vous avez reconnu la vérité. Vous avez toujours été, la semence avait toujours été en vous. La parole a vu la parole qui était en vous, qui existait avant la fondation du monde, et vous avez vu la parole et vous êtes venu à elle. Et qui nous sommes? Et comment Jésus a vaincu? Et Jésus a vaincu par la révélation de qui il était. Et il a vaincu par la parole, mais il a vaincu par la révélation de la parole qui il était. Et la pensée de Dieu pour nous. Et quand cela devient une réalité, les amis, alors nous serons une armée invincible. Pas parce que nous sommes quelque chose, mais parce que lui. La même chose avec les croyants. Quand tu rencontres Dieu face à face, la semence se trouve en vous et il se sépare des choses du monde. Oh, je me souviens. Mais seulement quand nous saisissons la chose, et toutes les choses du monde, nous ne désirons plus cela. Et qu'est-ce que nous désirons alors? La parole. Nous voulons que la parole puisse se manifester. La semence qui est en vous. Et prenons Genèse 24. Et montrer ce que nous avons lu avec le prophète. Dans Genèse, Genèse 24, le premier verset. Abraham était vieux, avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Et les gens venaient vers Abraham, se moquaient de lui. Il regardait, mais tout ce que Dieu avait promis à Abraham, il accomplit cela. Alléluia. Si Dieu l'a fait avec Abraham, il ne change pas. Et si nous marchons avec cette parole, Dieu, de nouveau, fera la même chose de ce qu'il avait promis. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sur ma cuisse. »
Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne point prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Et il a vu qu'il était l'Élisée dans cette parole. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons que Dieu a envoyé son serviteur afin de choisir son de lui choisir une épouse. Dans le plan de Dieu, c'est prendre une femme, une épouse. Et nous croyons que nous sommes une épouse. Et cette parole nous a appelés. Pourquoi ce message est venu? Afin de nous appeler. Afin que nous soyons l'épouse. Alléluia. Mais ce n'est pas un nouveau enseignement ou des dogmes des hommes, mais c'est la pensée de Dieu. Et quand nous voyons cela, Dieu a envoyé son fils et son serviteur, le verset 4, mais d'aller dans mon pays et dans la patrie prendre une femme pour mon fils. Le serviteur lui répond, peut-être la femme que ne voudra pas venir me suivre dans le pays-ci. Devrais-je prendre ton fils dans ce pays? Si rien ne marche, est-ce que nous devons repartir d'où nous sommes sortis? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de la patrie, de qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai ce pays, ta postérité lui-même, et il enverrait devant toi son ange, mais ne prends pas prends là-bas une épouse pour mon fils. Et ce message était venu par un ange. L'ange est descendu avec la conserve sur la tête. Il a posé un pied sur la mer et un pied sur la terre et il a juré par lui-même. Et ce n'était pas seulement un homme, mais il était cet ange et il était venu pour révéler l'ange avec la lettre majuscule. Et nous n'avons pas seulement un simple message, mais c'est le message. Ce message, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui vous a appelé. Non. Si vous avez seulement aimé la parole et vous avez suivi, c'est que l'ange vous a appelé. Le verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Dans ce message, il y a un trésor. Et il n'est pas seulement venu que l'ange t'a dit, non, tu es l'élu, allons-y. Et il apporte le trésor. Alléluia. Et il y a dans ce message un trésor. Et dans sa main, c'était le trésor de son maître ou les biens de son maître. Et il a dit, il fit reposer le chameau sur les genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, sortit celles qui vont puiser de l'eau. Et dit, Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, user de bonté envers mon Seigneur Abraham. Il voulait glorifier le Seigneur.
Et voici, je me tiens au puits et les filles de la ville descendent pour et belles. Bien que d'autres pouvaient être joyeuses. Et que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée, que soit celle que tu as destinée. Et par là, je reconnaîtrai que tu m'as fait trouver grâce. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethel, fils de Milka. Elle était une parente. Pas seulement que nous lisons une histoire de Rebecca, mais cela montre que nous sommes parents avec notre époux. Et la femme de Nakhor, frère d'Abraham, c'était une jeune fille de très belle de figure et elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire. Et elle répondit, bois et mon Seigneur, et je presserai de baisser ma cruche. Et quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, c'est les caractéristiques de l'épouse, les amis. Les caractéristiques de l'épouse, quand ce message est venu, nous ne sommes pas venus pour discuter avec, mais nous nous sommes abaissés tout simplement. Choisir. Elle devait travailler, devait faire descendre sa cruche pour faire sortir. Et quelqu'un sort du néant, donne-moi de l'eau. Mais quand tu vois le secret, mais tu vas comprendre que c'est Dieu qui l'avait prédestiné. Et ce message nous a attirés. Amen. Et nous avons commencé à écouter qui a fait cela. C'est Dieu. C'est que ce soit celle que tu as prédestinée. Et c'était l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas ici tout simplement au hasard, mais c'est l'ange qui vous a réveillé, c'est Dieu qui vous a attiré. Alléluia. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Et combien ça faisait? Ici, on parle, quand nous nous sommes rencontrés avec ce message, les amis, nous avons commencé à faire boire cet esprit, manger cela, le message. Et nous n'avons pas commencé à manger cela avec tout ce qui est du monde, mais nous avons commencé à nourrir cet homme intérieur. Et quand ce message était venu, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez reçu la force. Voilà pourquoi je comprends que ce n'est pas seulement nous,
Mais c'est Dieu en nous. Et Dieu commençant à se manifester ses caractéristiques. Et je te donne. Vous comprenez? Et si on montre une autre action, commencer à manger. Et le chameau représente une force. Et qu'est-ce que ce chameau a fait? Il a emmené vers l'époux. Il était là en train d'observer, voir est-ce que Dieu avait fait réussir son voyage. Oh mon Seigneur. Et c'est ce que nous sommes parfois. Et quelque chose se passe parfois, non, on ne croit plus. Alléluia. Et regardez à ce désir. Et c'est une guerre. Et quand on veut faire quelque chose pour Dieu, c'est notre guerre, c'est dans la prière que nous vaincrons. Et nous prions. Et prenez, enlevez tout simplement cela de côté. Écoutez le message. Oh mon Seigneur. Et qu'est-ce que représente l'or? Et voilà le trésor, les amis, et la divinité, de ce que Dieu accomplit aujourd'hui. Et nous avons lu cela. Et ce n'est pas encore tout. Continuons. Le verset 28. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Et quand cela s'est passé avec nous, nous avons eu le désir de partager cela avec d'autres. Rebecca avait un frère nommé Laban et Laban courut. Il avait vu l'agneau et les bracelets aux mains de sa sœur et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi me parlait l'homme et il vint donc à cet homme. Il dit, « Viens, bénis l'Éternel, pourquoi restes-tu dehors? Je prépare la maison et une place pour les chameaux. » Préparez cette place. Ce n'est pas seulement une bonne histoire de l'amour. Mais cette histoire, ça se passe aujourd'hui dans la réalité. Et l'homme arriva à la maison. Et Laban fait décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chevaux et l'eau pour laver les pieds de l'homme et les gens qui étaient avec lui. Et des gens qui portent aussi le même, qui portent aussi le don. Oh mon Seigneur. Le verset 48, je termine. Et elle arrivait à la maison, elle a commencé à raconter tout cela. Puis je me suis incliné, prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi.
et je retournai droit ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent, dire, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler. Voici Rebecca devant toi. Prends et va. Qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il se prosterna à terre devant l'Éternel. Et le serviteur fit sortir des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et dans ce message, nous avons le trésor. Quand Dieu appelle son fils, dans ce message est caché le message de la séparation. Et vous verrez comment l'or représente le rachat, l'esprit, et cela commence à vous libérer. Alors ne doutez pas de cela. Et aujourd'hui, ce message a le même effet. Alors, soyez fidèles à ce message. Et la foi n'a pas de durée. Quand tu vois cela et tu comprends, Dieu est venu pour te libérer. Dieu est venu pour te libérer. Ce n'est pas notre justice, mais sa justice à lui. Notre justice, ô mon Seigneur, et cela restaure la foi. Et il révèle la divinité. Il révèle notre nom. Pourquoi? Afin que nous puissions nous rendre forts au temps de ces tremblements, au milieu de tous ces mélanges et tout, ces empêchements. Alors, si nous reconnaissons nos caractéristiques, alors je dis, les amis, nous aurons les mêmes résultats. Dieu déverse la force de la liberté. Ce n'est pas mon affaire, mais c'est son affaire. Il apporte ce trésor. La parole se révèle. Alléluia. Et après quoi, ils mangèrent et burent, et les gens qui étaient avec lui. Ils passaient la nuit, et le matin, ils furent levés. Les frères de la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours ensuite. Et dit, ne me tardez pas. Puisque le message, alléluia, ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelaient Rebecca, elle dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et comme Ruth avait pris la décision jusqu'à ce qu'elle s'unisse avec Boaz, alléluia. Et si hier il l'a fait, aujourd'hui il le fera aussi. Il voulait encore. Nous avons dit non. Nous avons tout laissé, les amis. Nos amis. Notre position. Mais nous avons suivi ce message. Et non, qu'est-ce que les gens diront de moi? Et de moi, tout le monde va se tourner. Parce que l'effet sera la même chose.
Et il laissait partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs. Il bénit Rebecca et dit, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Amen. Ce n'était pas seulement un truc comme ça. Et quand Dieu a dit à Abraham d'apporter le sacrifice, et comme Abraham n'avait pas désobéi à Dieu, il dit que je multiplierai ta postérité et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Nous, aujourd'hui, et la pensée de Dieu qui ne change pas. Et Dieu a promis que vous posséderez les portes de vos ennemis. Mais ce n'est pas vous, mais c'est lui qui va accomplir cela. S'il l'a dit, alors tenez-vous fort et croyez. Et le frère Pavel m'a toujours dit, « Frère, prêche la parole qui élève la foi. » Et vous ne pouvez pas accomplir cela avec la chair. Marchez dans la lumière. Marcher dans la lumière. Et alors, la parole va nous libérer de tout ce qui n'est pas de la foi, comme sa promesse. Et qui accomplit cela? Qui libère? C'est lui. Ce n'est que Dieu qu'on peut remercier. Nous ne pouvons pas le faire les uns des autres. Mais c'est son travail. C'est soulever et lever la foi de quelqu'un d'autre. Et tiens fort sur la parole. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, beaucoup a été dit. Mais Seigneur, en tout, nous voyons ta main. Tu es notre vainqueur. Tu es notre libérateur, Seigneur. Et tu as permis toutes ces chutes afin que ton attribut, et nous avons confiance afin que tu puisses te manifester. Tout ce que tu as prononcé et que cela soit ta manifestation. Et nous demandons seulement une chose, et que cette parole puisse élever notre foi, que cela puisse libérer, et que tu sois glorifié en tout. Et gloire à toi. Et permets-nous encore de reconnaître, et que nous puissions te glorifier. Merci à toi. Gloire et honneur à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Когда никто не мог меня поднять, мне протянула руку благодать. Из слова вышел свет, стал изменять и тьму мою из сердца прогонять. И объяснить я даже не могла, что происходит, куда тьма ушла, то семя отвлекалось, все во мне тянулось к неизвестной вышине, и тяга та была так велика, я жаждала чего-то и не знала, что это ты, я жаждала тебя. Из вечности я просто в плен попала. Я все забыла, то, кем я была, как радовалась я и ликовала, когда ты все творил, что я есть часть тебя, твое дитя тогда не сознавала. Со всеми атрибутами отца я с целью лишь одной пришла сюда, чтобы во мне открылись небеса и тайна всемогущества Христа. Могут ли печалиться дети Божьего Царства, если рядом с ними их жених? Не Христом дарованы все его богатства, он мой царь и больше не других. Воспеваю радостно, воспеваю радостно, не Христом дарованы все его богатства, он мой царь и больше не других. Ты даешь нам Дух Святой, ветер оживления, движешься в хвале своих детей. Тесной близости с тобой, сладкого общения, мой Господь, я жажду все сильней. Воспеваю радостно, воспеваю радостно, тесной близости с тобой, сладкого общения, мой Господь, я жажду все сильней. О, Господь, снесем хвалу наше песнопенье, время приятный пред тобой. Поклоняемся тебе в свете откровения, Божьем духе в истине святой. Воспеваю радостно, воспеваю радостно, поклоняемся тебе в свете откровения. Воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь, облик мужа совершенного я выражу и цель не упущу. Сошел с небес сам Бог, чтоб за нас воевать, бессилен больше дьявол меня в распри держать. Ни ныне осуждения мне уже никогда.
и воздаст за все годы, что саранча гусеницы зачем пожирали. До сытости я хлеб, и славлю я Бога, и знаю, очень скоро уже буду дома. Пророка жизни пример, как сокрылся Бог в борсучьих кожах и потряс всю землю. Я уразуметь хочу, что за тайну он имел, как этого достичь. Тесного хождения жажду я с тобой, тайны раскрывать, что получил я разум твой. В слове пребываю, книгу я вкушаю, обновляясь каждый день познаний Христа. Больше дьявол меня в рабстве держать. Нет ныне осуждения мне уже никакого. Живу я не по плоти, а в свете Его слова. Восстановлю я все и восстан за те годы, что саранча жук гусеницы зачем пожирали. До сытости я хлеб, и славлю я Бога, и знаю очень скоро уже буду дома. Хоть семь раз упаду, но встану. Божьей праведностью стал я, за меня он жизнь отдал искуплен, чистый без греха. За завесой якорь держит и хранит меня. Море забвенья брошены только враг бы не искал, не сможет их найти. Вот какая благодать не заслужена, как хочу Иисус благодарить, тебя хвалить. Сошел с небеса Бог, чтобы за нас воевать, и силен больше дьявол меня в раз не держать. Нет ныне осуждения мне уже никакого. Живу я не по плоти, а в свете Его слова. Остановлю я все и восстан за те годы, что саранча жук гусеницы зачем пожирали. До сытости я хлеб, и славлю я Бога, и знаю очень скоро уже буду дома. Аллилуйя. Пусть Он хранит нас, когда мы будем идти на пути домой. Пусть Он не отходит от нас. Пусть Он говорит с нами. Аминь. Я не отойду и свой взгляд не отведу от служения любви, который Бог меня призвал. Ведь от начала Он меня на этот труд избрал, чтоб в 11 часу я дело линии продолжал. Жив Господь и жива душа моя, не оставлю я тебя, я буду следовать за каждым словом до конца. Знаю, что мои глаза восхищение узрят, ведь Он жертвенник постановил и сделал все, как Бог сказал, и я уже слышу шум великого дождя. Что получил я от Него, истина верно, и меня учит день за днем. Оно меня хранит ото всякого вреда, но пророчество свершает.
твои чудные дела. Жив Господь, и жива душа моя, не оставлю я тебя, я буду следовать за каждым словом до конца. Знаю, что мои глаза восхищение узрят, ведь он жертвенник постановил и сделал все, как Бог сказал, и я уже слышу шум великого дождя. Против обольщения выступает лень, когда война смущение вступает за тени. Человека против кризиса давления, помазание вам выходит, и со смертью идет сражение. Жив Господь, и жива душа моя, не оставлю я тебя, я буду следовать за каждым словом. Восхищение узрят, ведь он жертвенник постановил и сделал все, как Бог сказал, и я уже слышу шум великого дождя. И жива душа моя, не оставлю я тебя, я буду следовать за каждым словом до конца. Знаю, что мои глаза восхищение узрят, ведь он жертвенник постановил и сделал все, как Бог сказал, и я уже слышу шум великого дождя.